Nous avons une très grande expérience dans la lutte contre le terrorisme. Nous avons été obligés de subir pendant plusieurs années des attaques terroristes qui nous ont été amenées dans vraiment une bataille qui était très très dure à subir sur la société civile israélienne. Des terroristes ont attaqué des civils israéliens pendant toute son histoire d'existence, je pense. Et c'était des attaques non militaires, c'est-à-dire pour assassiner et massacrer des innocents. Ça a été mené dans les rues israéliennes, dans les centres commerciaux, dans les bus, dans les restaurants, etc. Et non seulement dans les territoires israéliens, d'autres cibles israéliennes dans le monde entier ont été attaquées. Ce qui nous a apporté, nous a obligés de développer une grande expertise de lutte contre le terrorisme. Et nous le connaissons malheureusement, je dirais, d'une manière très, très détaillée. Et nous avons développé des capacités de combattre le terrorisme pour nous défendre. Et notre idéologie et notre message au monde entier est que le terrorisme doit être combattu partout où il émerge et ne jamais laisser passer aucun acte terroriste sans réponse. Et pour se défendre du terrorisme, il y a des méthodes professionnelles à le faire que nous connaissons très bien. Nous avons des experts dans la matière et nous proposons à tous nos amis, tous les pays du monde qui doivent faire face au terrorisme, partout où c'est nécessaire, Israël sera à côté de ceux qui combattent le terrorisme, qui est un phénomène illégitime et inacceptable qui doit être combattu dans la scène internationale. Dans ce cadre-là, Israël dit aussi au Sénégal et dit à tous ses amis en Afrique que leurs besoins peuvent être répondus par des experts israéliens et ça peut rentrer dans le cadre de la coopération entre les pays et nous le faisons avec beaucoup de sérénité puisque cette guerre-là doit être partagée par tous les pays. Comme nous attendons bien sûr de nos frères et de nos amis de soutenir Israël quand nous sommes attaqués par le terrorisme. Et que ce terrorisme-là n'est jamais une méthode justifiée qui peut être menée contre des civils et contre des citoyens d'un pays, quoi que ce soit la bataille qui doit être menée. Le terrorisme, c'est une façon d'agir qui est illégitime dans le monde entier. C'est pour ça que nous serons à côté de tous ceux qui veulent combattre le terrorisme dans le monde entier.